you know, that Hinkle isn't such a bad fellow after all. Most amusing. Here you are, get a Hinkle button, get a Hinkle button. A fine photo with a buoy on each and every button. Après plus d'un an de tournage, le dictateur sort le 15 octobre 1940 à New York. La foule se bouscule le soir de la première. Le premier film parlant de Chaplin connaît d'emblée un énorme succès public. Le dictateur est mon premier film où l'histoire est plus grande que le petit vagabond, dira Chaplin. Deux mois plus tard, le film sort à Londres et obtient le même succès qu'à New York. Occupé par l'Allemagne, la France devra attendre 1945 pour découvrir le film. Le soir de la première new-yorkaise, Chaplin présente enfin Paulette Goddard comme sa femme. Tout a commencé par une histoire d'amour. Car c'est au cours d'un long voyage en Asie, 4 ans auparavant, que Chaplin a secrètement épousé Paulette Goddard, sa partenaire des temps modernes. La jeune femme est âgée de 25 ans et voyage accompagnée de sa mère. Paulette Goddard, dont le vrai nom est Marion Lévy, est la troisième épouse du cinéaste. Chaplin s'interroge déjà sur ce que sera son prochain film dans lequel il aimerait à nouveau confier un rôle à Paulette Goddard. Une fois de plus, dit Chaplin, la même question déprimante se posait. Devrais-je tourner un autre film muet ? J'avais pensé à différentes voix pour Charlot, qu'il devrait parler par monosyllabes ou simplement marmonner. Mais c'était inutile. Si je parlais, je deviendrais un acteur comme les autres. Durant tout l'été 1938, Chaplin s'installe à Pebble Beach, un lieu résidentiel pour milliardaires situé non loin de Carmel, au sud de San Francisco. Il s'amuse et se lie d'amitié avec Tim Durant et Dan James, qui ne cache pas ses opinions marxistes, et qui propose au cinéaste de collaborer à l'écriture d'un scénario. À la recherche d'un projet, Chaplin se souvient de l'idée que lui a soufflé son ami Alexander Korda, cinéaste et producteur anglais. Celle de faire un film dans lequel il incarnerait deux personnages, Hitler et le vagabond. Cela permettait à Chaplin de ne pas renoncer à son personnage muet, tout en réglant ses comptes avec son rival, l'homme qui lui avait volé sa moustache. Ce voleur, c'est Hitler. Il a 50 ans en 1939, exactement le même âge que Chaplin. Ce qui est étonnant, c'est qu'il écrit le scénario en 37-38. Or, pour le moment, Hitler, c'est pas les grands héros seulement de l'Allemagne, parce qu'il a sauvé l'Allemagne d'abord du communisme, puisque le Parti communiste allemand était le plus grand en Europe, il avait 1 million de membres. Mais aussi, il a rétabli l'économie complètement. Il a mis tout le monde au travail. Et comme il y avait des problèmes en Amérique, un peu partout dans le monde, notamment en Amérique après 1929, on pensait qu'Hitler, il fallait un homme comme lui partout pour sauver le monde, pour sauver l'économie, pour sauver le monde du communisme. Donc c'était le grand héros. Et à ce moment-là, Charlie Chaplin décide de faire quand même ce film. Ça veut dire qu'il a vu, c'est un visionnaire, il a vu ce qu'il allait se passer par la suite. Pour moi, la chose la plus drôle au monde, disait Chaplin, c'est le ridicule des imposteurs et des gens haut placés imbus d'eux-mêmes. Plus l'imposteur auquel vous vous consacrez est de taille, plus vous avez de chances de faire un film drôle, et il serait bien difficile de trouver un imposteur plus grand que Hitler. C'est la plus belle cible du monde pour la satire et la dérision. Hinkle's Palace was the center of a gigantic enterprise, an enterprise that would build the world's greatest war machine.
Behind this undertaking was the dynamic energy of Adenoid Hinkle, whose amazing genius ran the entire nation, whose ceaseless activity kept him busily occupied every moment of the day. Et ce qui peut étonner aujourd'hui, c'est le silence des autres hommes autour. Tandis que Charlie Chaplin, homme de cinéma, clown d'une certaine manière, lui voit dans l'histoire et il voit le futur, tandis que les grands leaders spirituels ou politiques du monde ne les voient pas et ils restent à côté d'Hitler, ils voient l'Allemagne comme, d'un côté comme un pays chrétien, donc il ne faut pas toucher à Hitler, et de l'autre côté, on les voit comme un pays consommateur qui peut, où on peut vendre beaucoup de biens, c'est qu'on fait beaucoup d'ailleurs, toutes les grandes compagnies, et donc on ne touche pas à Hitler. Pour la première fois de toute sa carrière, Chaplin décide d'écrire un vrai scénario. Celui du dictateur fera 300 pages et raconte l'histoire d'un pays imaginaire, la Toménie, qui vit sous le joug d'un dictateur, Adenoid Hinkle. Chaplin interprète également le rôle d'un barbier juif qui revient de la guerre de 14-18, totalement amnésique. Dès que le sujet du dictateur est rendu public, les réactions à Hollywood sont hostiles ou malveillantes, certains bons conseilleurs faisant remarquer à Chaplin que son film risque d'être interdit dans plusieurs pays, ce qui représenterait une grosse perte financière. En dépit des pressions multiples, y compris diplomatiques, Chaplin décide d'aller jusqu'au bout en finançant seul le dictateur à hauteur de 2 millions de dollars. Son but est clair, faire pencher l'Amérique du bon côté. Et sa seule arme, son arme absolue, c'est le rire. His Excellency has just referred to the Jewish people. Tandis qu'il se prépare à tourner, Chaplin se documente et visionne un grand nombre d'images d'actualité. Il s'inspire à la fois de la gestuelle de Hitler et des mises en scène de défilés et parades fascistes, montrant le peuple allemand fanatisé et galvanisé par le Führer. Par uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. We now pause for station identification. This is the Pari Mutuel Network, bringing you direct from Tomania, Adenoid Hinkle's address to the sons and daughters of the Double Cross. The English interpreter is Heinrich Stick, Adenoid Hinkle's personal translator, who is apparently reading from a prepared manuscript. Stand by for further commentary. Go ahead, Tomania. His Excellency is about to descend the stairs. He's 80. Your Excellency! Oh, are you hurt? Oh, strap! Strap! The fluten blamen that she's a kraken! The fluten blamen, the banana! The fluten, the banana! Then you do that crime about banana! The banana stoops and strip me thine account and sink the banana! The banana! That big a boobin, a steak and a strap me thine hat! Banana! Banana! That big boobin, air a fine that Jesus crackers me the holden! Banana! Pour interpréter Napoléon, l'autre dictateur, Chaplin a fait appel à l'acteur Jack Hooky, dont la ressemblance avec Benito Mussolini est évidente. C'est très bien, les gens. Je dis que les gens sont très bien. Merci. Le 9 septembre 1939, 6 jours après le déclenchement de la guerre en Europe, Chaplin commence le tournage de son film. Son frère Sidney a saisi quelques scènes filmées en couleur, montrant l'équipe au travail. Sans ces images, jamais nous n'aurions su que les pantalons des miliciens étaient rouges.
La scène de la gare, c'est fait avec trois choses. Hein. Ça fait avec des costumes, avec un tapis et avec, je dirais presque comme au théâtre avec des panneaux qui descendent, avec un train qui n'est pas un train et qui bouge en avant et en arrière. It's going back again. What? On sait que Chaplin n'avait pas de problème d'argent pour faire un film. Il pouvait dépenser, il pouvait recréer le train comme on a souvent recréé à cette époque à Los Angeles, à Hollywood. Mais je pense que c'est une façon de montrer aussi les ridicules de cette arrivée, les ridicules de ces personnages. Et tout ça, c'est derrière ces dictateurs extraordinaires, c'était du carton-pâte. Donc c'était du mauvais théâtre. My friend. Yeah, pardon, mais... This is indeed a pleasure. Thank you. Welcome to Tomania. This way. Pictures, Your Excellencies? Oh, sure. Salute. Another one, please. Ah, this is really a pleasure to be here with my friend Hinkle. Well, you want another picture, Mr. Morris? There. C'est la ridiculisation totale par l'absurde et par les comiques de ces régimes-là. Mais il ne faut jamais oublier que ça a été fait quand même à la période où ces régimes-là sont au maximum de leur gloire et de leur suivi. Ils sont suivis par le monde entier. Et tout le monde les regarde comme, avec une grande admiration. Chaplin, cinéaste politique ou citoyen engagé ? L'hypothèse n'est pas nouvelle. Déjà, en 1918, alors qu'il était à peine installé en Amérique, Chaplin avait pris position avec ses amis Douglas Fairbanks et Mary Pickford pour convaincre les Américains de soutenir l'effort de guerre pour venir en aide à l'Europe pour contrer les velléités militaires de l'Allemagne. Cette même année, il avait réalisé Charles Soldat. You are. Huh? Hmm? Oh, excuse me. The enemy! Come on, fellas, let's get him! Je me suis aperçu, après avoir étudié à fond pour Amen les cette époque-là, je me suis aperçu que le film est profondément historique et profondément intelligent, parce qu'il commence par la guerre de 14. Et en fait, le drame hitlérien commence à la guerre de 14. Parce que l'Allemagne perd la guerre et on accuse en Allemagne en 18 immédiatement les Juifs comme la raison, comme les fauteurs de la guerre. D'abord, d'avoir provoqué la guerre et après, de l'avoir fait perdre. Et là commence l'antisémitisme qui monte peu à peu jusqu'à 1930 et puis naturellement 1933. What do you think you're doing? I really don't know. Well, you leave that alone. Don't be silly. I'm not silly. I appreciate that. When you talk to me, hail Hinkle and salute. Who are you anyway? I'll show you who I am. Come down to headquarters. Say, that's my shop. I don't care if it isn't. Shut up. Come down. You leave me alone. Oh, I'm going to put up a fight, are you? Come on down to headquarters. Show you? Now, let me tell you something. Are you a policeman? Arrest that man for assault. Hey, yo! Leave me alone. Back attacking a stormtrooper! Hold him! Take him down! Why, you? Oh! Get him down! Oh, hey, bit my finger! Oh! There!
Avec les Marx Brothers, Chaplin est devenu la bête noire des régimes fascistes qui sévissent en Allemagne et en Italie. Ses films sont interdits et la propagande nazie a fait de Chaplin cinéaste et du personnage de Charlot, pas vraiment conforme à l'idéal arien, l'incarnation même du juif. En 1939, la presse américaine rend compte de l'engagement financier de Chaplin pour venir en aide à de nombreux juifs allemands désirant quitter l'Allemagne où ils sont victimes des agressions nazies. Chaplin est alors surnommé le Moïse du XXe siècle. Chaplin n'a jamais voulu lever le malentendu concernant son identité. Il se confie à un journaliste. « Je ne suis pas juif. Je n'ai pas une goutte de sang juif. Je n'ai jamais protesté lorsqu'on disait que j'étais juif, car j'aurais été fier de l'être. » I'm delivering Mrs. Shoemaker's laundry. Oh, you better take the key. Mrs. Jekyll and myself are going out. I'm locking up all the doors in case the stormtroopers will start their monkey business again. Dans Le Dictateur, Chaplin s'attache à décrire la communauté juive du ghetto. Paulette Goddard joue le rôle de Anna, la jeune femme amoureuse du barbier, qui incarne à la fois le courage et l'esprit de liberté. You have no right to do this. That's all right, just charge it to my account. Nice, right? Tomatoes, boys. Why don't some of you do something? I wish I was a man. I'd show you. Now, what would you do, my pretty maid? Ah, oh, you're very brave altogether, but not one of you got guts to stand up alone and fight. Ah, shut up. Is that why you got a truck to run away in case somebody hits your back? Shut up or we'll take you down. All right, come on and take me. You get a lot of medals for it. All you can do is to pick on women and rob defenseless people. Ah, don't rob the poor girl, boys. Give her back her tomatoes. Here. Tout au long du film, elle est celle qui rêve d'un monde meilleur ou d'une terre promise. There goes the barbershop. Never mind, we can start again. We can go to Austerlitz, that's still a free country. Mr. Jekyll says it's beautiful there. Wonderful green fields and they grow apples and grapes. En 38, quand il y a la Kristallnacht, je pense que là, il a dû cristalliser aussi définitivement son scénario et le contenu de son scénario. Parce que quand on voit le film attentivement, on parle des camps de concentration, puisque en 38, on envoie déjà 30 000 juifs au camp de concentration après la suite des Kristallnacht. Et il parle aussi, c'est lui qui joue Goering, à un moment donné, il arrive... Si vous vous souvenez, il trouve des faux parachutes. The most compact in the world, worn like an ordinary hat. Des fausses protections contre les balles. Shoot. Il lui dit, j'ai trouvé un gaz qui peut éliminer tout le monde, etc. Donc, il s'agit déjà du cyclone. Et le cyclone, on parle, c'est-à-dire dans le film, on parle du cyclone indirectement dès 38. We've just discovered the most wonderful, the most marvelous poison gas. It will kill everybody. All right, later, later, later. Et c'est vrai que quand on voit le film comme ça, ça paraît comme une sorte de pochade. Mais quand on connaît maintenant l'histoire comme on la connaissait à l'époque, comme on ne la connaissait pas à l'époque, on s'aperçoit qu'il avait raison partout, qu'il était un visionnaire. Out Caesar, out Nolus, Emperor of the world. La scène du ballon, c'est probablement une des scènes les plus géniales du cinéma, parce que il y a l'idée forte, forte derrière sur la dictature. Et il y a la réaction contre la dictature, il y a le drame, puisqu'on veut prendre la terre, et en même temps il y a le ridicule, et puis il y a la danse. C'est une chorégraphie totale, absolue. Il a dû le faire en continuité, et puis il y a des plans de coupe sur le ballon, qui monte et qui redescend.
Parce que tout ça, c'est en continuité jusque-là. Voilà. Ça lui permet de passer à un autre plan. Là, il n'est pas Hitler, il est Charlie Chaplin, complètement. Il joue avec ça comme avec l'amour qu'on a pour une femme, l'amour sensuel. Et en même temps, c'est de cet amour, on voit l'horreur de quelqu'un qui peut manipuler la terre comme cela. Le tournage du dictateur se termina en mars 1940. Mais Chaplin devait encore tourner la scène du discours final qui dure 6 minutes. Ses collaborateurs n'étaient guère convaincus par cette scène. Pour se justifier, Chaplin dira que le discours était celui qu'aurait tenu le petit barbier juif parlant d'une terre promise et d'un monde meilleur. Un détail discret souligne que ce n'est pas Hinkel qui s'adresse à ses soldats, mais le barbier. La petite mèche blanche au-dessus de la moustache noire. On a tendance à se dire, mais il est entouré des nazis, donc il faut que quelqu'un réagisse. Non, on s'approche de lui, il reste seul, et on n'est plus qu'avec lui et les discours, simplement. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. Et là, il est très cinématographique, parce qu'il élimine tout élément autour de lui, qui peuvent repenser à Hitler, qui peuvent penser aux plaisanteries qu'il faisait avant, avec les micros, avec ses voisins comme ça, imbéciles. Et ça, c'est des subtilités cinématographiques qui ne se voient pas, mais qui se sentent, à mon avis, par les spectateurs immédiatement, parce qu'on reste entièrement sur lui. Let us all unite! Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. C'était la chose la plus inhabituelle au monde à l'époque, qui est d'avoir le courage, ou plutôt la témérité, de faire un discours aussi long pour finir un spectacle. Parce que pour les Américains à l'époque, le film, c'était un spectacle qu'il fallait trouver là. Hannah. Can you hear me? Wherever you are, look up, Hannah. The clouds are lifting. The sun is breaking through. We are coming out of the darkness into the light. C'est l'essentiel du cinéma qui veut finalement les visages humains. Ça, on ne peut pas dire le reste, les grands paysages, les grandes actions, etc. Moi, je pense que le grand paysage du cinéma, c'est lui qui dit tout ou rien. C'est quand même le visage humain.